Mon rôle principalement, c'est d'organiser, planifier et pourquoi pas occasionnellement animer des sessions de formation, qu'elles soient théoriques, pratiques, à destination d'un public franchisé ou bien de leurs équipes. J'interviens tôt, j'interviens très tôt et pendant longtemps surtout, puisque je rencontre les porteurs de projets principalement au moment de l'obtention de leur financement. J'organise toute leur formation initiale, tant théorique que pratique. Je les accompagne jusqu'à l'ouverture et les guide pour que cela se passe au mieux. Et puis pendant toute la durée de l'exploitation de son restaurant, pour ce qui est des remises à niveau, si l'équipe et lui-même en ont besoin. Sans hésiter, sa diversité. Déjà le fait de toucher à beaucoup de choses, de rencontrer beaucoup de monde. Et puis aussi de contribuer à la réussite de franchisés qui ne viennent pas forcément de l'univers qu'est la restauration et du coup de les aider à découvrir et appréhender ce nouveau métier. Anecdotes et souvenirs, il y en a beaucoup puisque justement ça rejoint ma fierté pour le coup, c'est d'être là depuis quasiment le début. Donc on pourrait passer la matinée sur les anecdotes. Donc non, vraiment la fierté d'être là depuis le début et puis d'avoir contribué au développement de Basilic & Co. Si je dis tous, j'ai le droit. Non, tous, ce serait un peu facile. Maintenant, si je devais en choisir qu'un, je dirais la Savoie. Pour ses plats légers, ses plats d'hiver. voilà, côté gourmand qui parle.